Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je prends un petit peu de temps pour vous faire une petite vidéo courrier, participation plutôt pour le concours. Alors je vais vous le dire tout de suite comme ça pour celles qui ne voilà, qui regardent pas jusqu'au bout. Je vais repousser le concours jusqu'au samedi 5 juin. Je le prolonge une quinzaine de jours parce que j'attends encore minimum une participation. Donc, je le repousse d'une quinzaine de jours. Je suis désolée, les copinettes, mais je pense que vous comprendrez que des fois, on a des impératifs qui font que on peut pas toujours être dans les temps. Bon, c'est pas grave. Je le repousse d'une quinzaine de jours. Je suis sûre que vous m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on passe tout de suite à l'ouverture de courrier de Marine. Alors, Marine est une petite fille de 12 ans qui a des problèmes aux yeux. Donc, ils habitent dans le village d'à côté de chez moi. Donc, vous connaissez déjà sa grande sœur, Julie. Hein. Elle a une chaîne. Bon, elle n'est plus très active en ce moment, mais bon, elle a pris un travail et tout ça. C'est pas évident de trouver une parade à tout ça quand on commence sa vie. Voilà. Donc, la petite Marine, je vous disais, m'a ramené sa participation hier soir. Et j'étais trop contente parce que je pensais pas que... Voilà. Donc, voilà déjà l'enveloppe de Marine. Alors, on a des petites Gorgeous pour Zouzou. Elle m'a mis un petit sticker ici. Des strass, pardon. Et une bande de strass ici aussi sur son enveloppe. Voilà. Donc, on va découvrir sa jolie carte. Je vous cache pas que je l'ai eu hier soir et puis je l'ai ouvert puisque comme elle était là, voilà. Voilà. Donc, voilà la petite carte. Donc, elle est venue me mettre des jolies fleurs, des petits cœurs, des demi-perles et une belle Gorgeous. Voilà. Au dos, c'est pareil, j'ai une belle Gorgeous avec, c'est des poupées, vous savez, qui rentrent les poupées russes, je crois, qui rentrent les unes dans les autres. Et voilà l'intérieur de sa carte, comme ceci. Allez, comme c'est mignon. Alors, c'est des petites Gorgeous qui ont été faites avec machine de découpe, des petits cœurs. Félicitations, un petit cœur en strass. Et une petite Gorgeous. Alors, elle me fait bravo pour tes 681 abonnés. Parce qu'elle a regardé juste avant de venir à la maison. On est passé à 682. Et elle a signé. Voilà. Donc, Marine, je te remercie beaucoup, beaucoup. Je te fais encore des gros bisous. C'est très, très gentil d'avoir pris de ton temps. Et puis surtout, d'avoir pu faire ça, c'est pas facile pour elle, donc je suis fière de l'avoir parmi nous. Voilà. Ensuite, elle m'a découpé aussi à l'aide. Non. Elle m'a fait ceci. Vous savez, c'est un porte pour mettre vos clés. Alors, elle l'a customisé avec des petites Gorgeous. Petit papillon. Un cadenas. Ça, c'est un petit. Bon, on va dire que c'est un petit cadre, hein. Petite tasse, des fleurs, et dessus, elle est venue me mettre de la dentelle. Donc, j'ai plus qu'à l'accrocher. Donc, il va rejoindre, parce que bientôt, ce coin-là que vous voyez derrière moi va changer. Parce que je vais y mettre une belle déco Gorgeous. Donc, regardez ça comme c'est mignon. Elle a bien travaillé, hein. Et oui, elle a bien travaillé. Donc, Marine, je te fais encore des gros, gros bisous, ma chérie, si tu vas regarder la vidéo, je sais. Je te fais plein de bisous, ma chérie. Ensuite, j'ai eu la participation de sa grande sœur, donc Julie. Et donc, avec Marine, ils m'ont fait plein de petites étiquettes comme ça. Imprimées, je pense. Oui, ça doit être du papier photo, hein. Parce que c'est tout glacé. Alors, j'ai plein de petites Gorgeous. Je suis trop contente. Bon, celle-ci a été mal calibrée au niveau de l'ordinateur, mais c'est pas grave. Une comme ça.
Une comme ça. Après, j'en ai plein de petites. Hop. Ah, toi, t'es à l'envers. La petite rouge. Et celle-ci, voilà. Ensuite, j'ai eu celle-ci sur son petit mur. J'ai eu des petits ronds. Alors ça, c'est sympa, les petits ronds. Parce que moi, j'aime bien travailler avec des petits ronds. Voilà. Celle-ci. Ah oui, c'est des petits supercules de 3D, ça. Ça se fait électricité statique. Celle-ci. 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 Oui, j'en ai eu plein. Mais vraiment. Donc, j'ai eu aussi celle-ci. Très belle, moi j'aime beaucoup. La petite rouge avec sa guirlande. Celle-ci, j'ai un cheveu qui dépasse. Celle-ci, elle est jolie celle-ci. C'est la gorgeuse renard, avec la queue du renard. Celle-ci, avec le petit écureuil. Si vous l'avez déjà vu. Là, elle est trop mignonne. J'adore celle-ci. Voilà. Et ensuite, j'ai des grandes images. Celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, elle... de toute façon, elles sont trop belles, hein. Vous savez bien. Et voilà. Donc, j'ai eu plein d'images. Et là, je suis très contente parce que je leur ai dit, vous vouliez que je fasse plein de créas avec ça. Hein. Voilà. Donc, je vais les remettre dans leur enveloppe. Ensuite, Julie m'a fait sa carte. Donc, une très jolie carte gorgeous aussi, comme ceci, avec des petites fleurs, des petits cœurs. Au dos, on a celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ensuite, celle-ci, elle a été montée en 3D. Dedans, c'est comme ceci, avec une gorgeous en découpe, des petits cœurs. Un cœur en strass et félicitations Zouzou, merci beaucoup. Alors elle me marque, cher Zouzou, félicitations pour tes 681 abonnés, j'espère que cela te plaira, je te fais de gros bisous Julie. Bien sûr que ça me plaît, j'ai été très émue quand j'ai découvert ça hier, mais vous allez voir là, après. Ma Juju, tu sais bien, je vous aime fort hein, tous. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Et puis, continue le scrap. Allez, c'est parti. Et ça, voilà. J'ai mon chien qu'il faut qu'il gueule parce qu'il a entendu la voisine. Comme d'habitude, ça faisait longtemps qu'il ne nous l'avait pas fait. Et Julie m'a fait quelque chose de très, 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 très joli. J'ai adoré. Très grande idée d'ailleurs, mais je vais vous mettre sur mes mains parce que je peux pas le soulever, j'ai peur de le faire tomber et de le casser. Voilà, donc voilà ce qu'elle m'a fait. Donc c'est une cloche gorgeous, donc elle est venue mettre de la lumière dedans. J'espère que vous verrez bien, elle est trop trop belle. Alors je vais éteindre, vous voyez derrière on a un papillon là. Les petites fleurs, petites figurines gorgeous qui sentaient bon qu'on avait eu il y a, je crois, presque 2 ans maintenant. Et un bouquet de fleurs. Et donc, elle m'a mis une lampe LED dedans. Et au fond, elle a collé des petits cailloux. Je ne sais pas si vous les verrez parce que je pense que oui. Et quand on l'allume, elle est magnifique. J'aime énormément cette idée. Non, je sais pas, parce que ça va peut-être pas trop bien ressortir à la caméra, mais moi j'adore. D'ailleurs, là je l'ai laissée en bas, mais je vais la monter dans ma chambre à coucher, parce qu'elle me servira de lampe de chevet. Voilà. Elle est très très belle. Alors peut-être que si je vous la rapproche, vous voyez, c'est magnifique. J'ai adoré, vraiment, vraiment, vraiment. Elle est très belle. Elle a collé la petite gorgeuse à l'intérieur pour pas qu'elle se décolle et qu'elle tombe. Franchement, la cloche là, c'est une tuerie. Vraiment, j'aime énormément. Donc Julie, je te
te remercie encore une fois parce que c'est vraiment très très beau et une très très bonne idée. Bon, bien sûr, la cloche est en verre, hein, donc ça casse. C'est pas lourd lourd, mais et c'est pour ça que j'ai pas voulu trop la porter pour ne pas, j'ai pas envie de la faire tomber, voilà. Donc voilà ma cloche Gorgeous, donc la participation de Marine et de Julie. Voilà, donc j'ai eu vraiment, celui-là vous le verrez bientôt accroché derrière moi. Voilà, les cartes bien sûr vont être rangées avec celles des copinettes. Donc voilà, je reviens, j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'ai été chercher mon carnet où je note tous les noms des participantes. Donc Marine, tu seras le numéro 19. Voilà. Et Julie, tu seras le numéro 20. Je les dissocie parce que elles ont travaillé toutes les deux. Donc elles ont droit à une chance toutes les deux. Donc voilà, je vous remercie encore beaucoup les filles. Plein de bisous, plein de bisous. Je vous aime fort, voilà. Alors, ensuite, j'ai été chercher un colis qui est arrivé à mon Mondial Relais. Donc, j'en ai profité en emmenant ma fille à l'équitation puisque je passe devant pour le récupérer. Donc, je l'ai préalablement ouvert hein, parce que vraiment, sinon, après, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Je sais de qui ça me vient puisque j'étais au courant. Donc, Lunasia, déjà, je te remercie déjà d'avance. Énormément, ton colis, il est simplement, voilà quoi, vous voyez, la taille un peu du colis. Donc, je l'ai posé à côté de moi sur une chaise. Donc, déjà, du papier comme ça, c'est génial, parce que je vais le récupérer. De toute façon, oui, du papier, c'est super. Et c'est très, très bien emballé, je me doute, parce que... Donc, ça transite par Mondial Relais. Ouh. Alors, je vois avant vous. Hein. Donc, je vois que la carte est au-dessus. Je vais déjà commencer par la carte. Oh, c'est la carte, ça. Oui. Regardez cette toupinette. Petite Gorgeous avec deux petites fleurs, deux petits... demi-perle. Elle est trop mignonne. Hein. Il y a Gorgeous Papillon. Ouais, je leur donne un petit nom comme ça. Plus sa petite robe, elle brille. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc je vais lire son petit mot. Bah écoute, oui, bien sûr que ça me plaît. C'est énorme, c'est seulement énorme. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Lunasia. Je te fais plein de gros bisous. Voilà pour la petite carte. Ensuite, j'ai une grande enveloppe comme ceci. On va regarder ce qu'il y a dedans. Oh. Ah oui. Alors là, je vais pouvoir faire de l'aquarelle. Regardez. Il y a une belle Gorgeous. Vous avez vu comme elle est grande? Oh, elle est trop belle. Gorgeous petite indienne. Regardez. Oh, c'est trop chou. Oh, merci. C'est des superbes tamponnages. Vraiment, ils sont magnifiques. Plus, ils sont grands. Hein. Ça, c'est ma main. Hein. Vous voyez? Oh là là. Ils sont super beaux. Celle-ci avec son petit chapeau. Et celle-ci avec son petit papillon. Et ces petits lapins. Regardez comme c'est chou. Je te remercie beaucoup, Lunasia. Les tamponnages sont très, très beaux. Merci beaucoup. Ça me fait super plaisir. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je me mets à faire du coloriage. Alors, ensuite, j'ai reçu... je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc, j'ai reçu une ABC. Comme ceci, vous voyez, plein de fleurs, des découpes de fleurs que tu as, oui, de l'aquarelle, avec des demi-perles, des découpes feuillages, la petite Gorgeous en 3D et le petit papillon. Donc, c'est une ABC.
Alors normalement sur l'ABC, il faut y coller le timbre. Mais là, comme c'était un colis, je vais voir comment je vais faire. Donc j'y mettrai la date, évidemment. Et la phrase positive, c'est aujourd'hui, je souris. Donc je souris. Merci beaucoup, Lunasia. C'est ma deuxième ABC. Je suis trop contente. Bien sûr, il y a ses coordonnées. Je garde pour moi, bien sûr. Elle est trop belle. Ah oui, c'est un fond en patouille que tu as dû faire. Regardez ça. Un dégradé de couleurs. C'est vraiment trop beau. Vraiment, c'est très, très beau. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je te remercie beaucoup. Ouf. Donc, voilà. C'est une petite partie, hein. Mon Dieu, que c'est joli. Voilà ce que j'ai reçu. Un petit panier comme ceci. T'as fait toi-même. Donc, pour faire, elle a mis des attaches parisiennes pour tenir l'anse. Et il y a des choses en plus dedans. Waouh ! Je suis gâtée. Oh, génial. Des petits tampons comme ceci. Moi, vous savez, j'adore les tampons. J'adore les dalles, j'adore les tampons. Il y a des boîtes, hein, sur les côtés. Et ils sont toutes remplis. Oh, oh, c'est des petites boîtes que tu as fait toi-même. Le papier, il est trop beau. Ces petites boîtes, ben on peut s'en servir, c'est génial. Oh, tu m'as mis dedans des petits cadres en bois comme ça. Oh, j'en perds un, moi, évidemment. Hop, donc un côté bois. Et l'autre côté, c'est des petits points, hein, c'est violet avec des petits points. Oh, super, ils sont trop beaux. Merci beaucoup. Je vais le ranger. C'était ici, je crois, oui. On va continuer dans le bon sens. Donc, j'ai une petite boîte comme ceci aussi. Pareil, le papier, il est trop beau. Excusez-moi, un coup, il y a du soleil, un coup, il y a des nuages, alors, forcément. Oh, encore des petits cadres en bois. Comme ceci. Ah, merci. Il y en a quatre dedans. Ah, super. Moi qui utilise beaucoup les petits cadres quand je fais du vintage. Donc, je tourne. Je fais déjà les côtés. Voilà. Donc, toi, on va te remettre dans ta pochette. Petite boîte. Encore une petite boîte. Ouh, petite boîte. Oh, encore des petits cadres. Comme ceci. Ah bah c'est bon, je vais pouvoir faire des petits cadres, hein, des petits cadres gorgeous avec tout ça. C'est génial. Voilà, et la dernière petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la dernière petite boîte? Oh, c'est trop chou. C'est des petits embellissements en bois nounours comme ceci. Et tu m'en as mis quatre. Oh, c'est trop chou, merci beaucoup. Oh, c'est génial, merci, je te remercie beaucoup. Mmh, super, j'adore les petits nounours. Ça rappelle l'enfance, voilà. Hop, et dedans, je ne suis pas contenté de ça, il y a un intérieur aussi, regardez. Vous voyez? En plus, l'anse se plie et tout, c'est vraiment génial. Mmh, c'est super ce que tu as fait là, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, alors... Ça, c'est bon. Donc, j'ai un petit sachet comme ça. Et dedans, voilà, on les voit bien en transparence. C'est des grands trombones. Ça, c'est chouette pour faire des trombones altérés. J'aime bien. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Mais je pense que ça fera partie d'un prochain tuto. Oh, tu es venu me faire des badges. Moi, ils se sont décollés hein, dans l'emballage. Hein, c'est pas grave. Alors, je vais les sortir, du coup. Comme ça, c'était dans une pochette comme ceci. Vous voyez? Ils se sont décollés. Normal, c'est fait pour ça. Oh, ils sont beaux. Regardez. Oh là là, comme ils sont jolis. Alors, je sais pas si c'est toi qui les as fait avec la Badgic. Je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, j'ai pas hein, cette machine. Faire des badges. C'est trop mignon.
J'adore. Puis elle m'en a fait deux pochettes. Et... Hop. Bon, les deux derniers sont encore collés. Je vous les montre comme ça. Celle-là, j'adore. Ensuite, bon, je vais ouvrir la deuxième pochette parce que ce sont tous décollés. Hein. Oh, bon, oui. Là, on sait bien que les petits 3D double face de chez Action, bah, ils tiennent pas. Voilà. Hop. Donc, j'ai celle-ci. J'ai, je me montre dans le bon sens, celle-ci avec le petit parapluie. Celle-ci. Oh là là. Celle-ci. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Hein. Vraiment. Hein. Ça. Et celle-ci. Oh, merci beaucoup, Lunasia, parce qu'ils sont trop, trop beaux. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, je vais les mettre dans le panier. Du coup, pour le fait. Hein. Les deux-là, je les retirerai tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour le contenu du petit panier. J'aime beaucoup pouvoir mettre plein de choses là-dedans. Ma fille, comme elle dirait, ma fille, tu vas encore pouvoir stocker du bazar. Voilà, on va le mettre à côté. Et donc, oh là oui, d'accord, 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 d'accord. Donc elle m'a offert des doubles aqua marqueurs. Voilà, elle m'a dit, j'ai quelques doubles aquamarqueurs. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, moi, j'en ai pas du tout. Donc, oui, pourquoi pas. Donc, voilà, tout cela. J'ai ces trois-là. Alors là, il y a tout plein de couleurs, hein, vraiment. Hein. Ensuite, j'ai tout cela. En plus, c'est des belles couleurs. Ah ouais. C'est des blancs comme ça. Celle-là, c'est pas fini. Un violet. Oh, j'adore. Ceux-là. Oh, mais Lunasia, je pensais pas qu'il y en avait autant. Je croyais que c'était quelques feutres. Oh, ceux-là. Et ceux-là. Voilà. Oh, mon Dieu, Lunasia, t'as fait des folies. Moi, je croyais que c'était quelques... Ça, je n'ai pas capté qu'il y avait tout ça. Oh, mon Dieu, c'est super génial. Je vais devoir agrandir mon porte Twin Marker et puis Aqua Marker, du coup, encore d'un étage, enfin encore d'une boîte, donc de trois étages. Oh, je suis trop contente. Merci beaucoup. Il y a plein de couleurs et tout. C'est génial. Oh, merci, merci, merci. Merci beaucoup, Lunasia. Je suis très touchée de ta participation. Voilà, je suis émue. Comme d'habitude, comme à chaque fois que je reçois une participation, je suis émue parce que c'est comme ça. Je te remercie énormément. Vraiment, c'est trop, trop, trop gentil. Et ben voilà, je n'ai plus qu'à ranger tout ça. Donc, ben écoutez, donc... Lunasia, bah, il ne faut pas que je te zappe au niveau de ton numéro quand même. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Dans quelques... Je les remets dans le carton. Je vais les ranger après. Ils sont trop beaux. Oh, il y a des couleurs. Mais vraiment, c'est une tuerie. Donc, Lunasia, tu auras le numéro 21. Voilà. Donc, 21. Lunasia. Voilà. Donc, vous voyez. Ah, alors j'ai les post-it qui se décollent. Bon, c'est pas très grave. Je remettrai un petit bout de... Donc, voilà, toutes vos participations sont là. Je vous dis, je le recule une quinzaine de jours parce que voilà, j'ai quelques... Minimum une participation qui ne m'est pas encore parvenue, mais qui arrive. Et puis, peut-être encore une ou deux, parce qu'on m'a demandé mon adresse, mais je n'ai pas une nouvelle. Donc, peut-être ou peut-être pas. Mais je préfère prolonger de 15 jours pour ceux éventuellement qui voudraient toujours participer. Les retardataires, voilà, il n'y a pas de souci. Eh bien, je ne suis pas comme ça.
Voilà, donc je m'en excuse pour les autres, pour celles qui ont déjà participé, mais vous inquiétez pas, tout vient à point, à qui c'est attendre. Voilà, bon, les filles, je vous embrasse tous très très fort, je vous adore, je vous remercie beaucoup pour vos participations, ça me touche énormément, et puis je vous dis, prenez bien soin de vous, et je vais faire une deuxième petite vidéo, parce que je ne suis pas là demain. Ça va être un inboxing AliExpress, comme je vous avais dit. Donc, voilà. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Je vous adore.